Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne, sur notre émission Réveille-toi, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir nous sommes encore là pour bénir notre Dieu, pour danser pour la gloire de notre Seigneur. Avant de commencer, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Seigneur. Éternel des amis, nous te disons une fois encore merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Comment ne pas te louer encore, comment ne pas t'acclamer? À qui pourrions-nous te comparer parmi les dieux de ce monde? Nul ne peut se comparer à toi, nul ne peut te comparer à ta grandeur. Ce soir, nous te recommandons ce moment, Seigneur, que le Saint-Esprit agit puissamment dans la vie de quelqu'un et que du début jusqu'à la fin, la joie revienne à tes enfants et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus. Je voudrais saluer la régie qui est toujours présente, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi tous ceux qui nous supportent, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous envoient toujours le message, qui nous encourage, qui dit allez-y, 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 ça nous fait du bien. Monsieur Koukouemedi, Dodi, Djibeto, avec la régie qui est toujours dans l'ombre, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur avec un groupe qui vient du Congo Kinshasa. Oui, célébrate. Dans Ozali, mon centre. Écoutez-moi ça, danser pour la gloire du Seigneur. On y va. Ozali, mon centre, 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 Ozali, mon cent
Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. La régie est en train de danser pour la gloire du Seigneur. Et danser pour la gloire du Seigneur, ça fait du bien. Ce soir, nous sommes là encore pour danser pour le roi des rois. Je voudrais saluer le patriarche Coupé-Mendy Albert, qui m'a dit ce matin, chaque samedi, je suis dans la joie quand je regarde ton émission. Et le frère Coupé-Mendy Étienne, aussi, qui a dit la famille, la bonne famille, c'est la famille qui est toujours là. C'est le message de la semaine dernière. Que le Seigneur vous bénisse sur ma famille qui me soutient dans ce que je fais. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je voudrais que tu partages cette émission. Identifie quelqu'un, que quelque chose se passe ici. Ne regarde pas tout seul cette émission. Nous allons encore danser. Il s'appelle John Megan. Il est en featuring avec Arnaud Megan dans Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Garçon pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va. Thank you.
Alléluia. Il est bon de louer notre Dieu. Ce soir, nous allons partager une bonne nourriture ensemble. Comme d'habitude, le thème de mon message s'intitule « Le salut de la famille ». Le salut de la famille. Ce soir, je vais vous décortiquer un peu ce qu'on peut vivre si vous êtes dans une famille. Parce que bientôt, nous allons commencer à parler de la famille, ce qui se passe dans la famille, le devoir de chacun dans la famille. Mais ce soir, je veux vous dire, parfois, nous sommes sauvés, mais on n'a pas l'habitude de parler à notre famille. On n'ose pas parler à nos frères, à nos soeurs, à nos enfants à propos de la repentance. On n'a pas l'habitude de parler parfois à certaines personnes pour ne pas les offenser. Alors c'est très capital. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Actes rapidement. Actes chapitre 16, versets 28 à 31. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Saül et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Ce soir, c'est une histoire que tout le monde connaît déjà. Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Et dans la nuit, ils sont en train de louer Dieu. Et les portes de la prison s'ouvrent en précipitation. Et le geôlier qui est censé les garder a eu peur. A eu peur. Oh, ces prisonniers qui sont là, je vais surveiller. Pourquoi? Comment j'ai fait pour les laisser partir? Il a pris son âme. Il voulait se faire mal. Mais Paul a dit, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, on est là. Tout le monde est là. Il était choqué. Et le jour-là, il a demandé à Paul et Silas, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que vous m'avez fait grâce de rester ici, malgré la porte de la prison était ouverte, vous n'êtes pas parti, vous êtes d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne parle pas de l'histoire de la porte ouverte, de la porte de la prison qui était ouverte, mais c'est la parole que Paul a prononcée vis-à-vis de ces situations devant le monsieur, le geôlier, c'est ça qui m'a touché. Il dit, mais crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons la grâce d'être sauvés. Chacun de nous sait ce qu'il faisait, là où il était, le Seigneur l'a appelé. Maintenant, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ta famille est sauvée? Est-ce que tes enfants sont sauvés? Nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu. Leurs enfants ne sont pas sauvés. J'ai parlé une fois avec un monsieur. Et en parlant, le monsieur m'a dit, oui, mon papa, il est pasteur. Il est pasteur, mais venez voir ce monsieur, l'état dans lequel ce monsieur était. Il n'a pas une bonne vie. Il ne ressemble pas à l'enfant d'un pasteur zélé. Nous avons des hommes de Dieu qui ont Dieu des ailes, à qui Dieu a donné l'onction, mais ils sont sauvés. Mais leurs femmes ne sont pas sauvées. Leurs enfants ne sont pas sauvés. Ma question et de savoir pourquoi Paul a dit à ce monsieur, ce geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que si le monsieur est sauvé, Paul pouvait dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pourquoi Paul a rajouté, toi et ta famille? Parce que si le monsieur est sauvé et sa famille n'est pas sauvée, ce n'est pas une bonne chose. Il manque quelque chose. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Georges Mbouimba. Il a fitu avec Charles Sitinga. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va, la régie. Loba indika la sou, loba indika la wasi, omuji mwa oi, omuji mwa wasi, utachina bebi ni miaka.
Je voudrais saluer la servante de Dieu. Bonne gloire, que le Seigneur vous bénisse. Avant de continuer, je voudrais dire la semaine prochaine, nous serons avec cette servante qui sera avec nous en direct. Bonne gloire sera ici pour partager quelque chose avec vous. N'oubliez pas de partager ce direct. Que le Seigneur vous fasse bien. Je vais demander à la régie de nous lire encore dans le livre des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 18, versets 7 et 8. En sortant de là, il entra chez un homme, Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Alléluia. Crispus était le chef de synagogue. Quand Paul a été de prêcher dans cette ville, il a donné sa vie à Jésus. Et avec sa famille, tu serais triste quand tu es sauvé et ta famille n'est pas sauvée. Tu serais vraiment dommage quand tu es sauvé et ta famille ne connaît pas encore la voie du salut. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ce soir que la main de l'Éternel, je prie maintenant que la main de l'Éternel agisse puissamment dans la vie de tes enfants qui ne croient pas encore. Je prie maintenant que la main de l'Éternel touche tes parents qui ne croient pas encore. Parce que ce serait dommage si nous sommes sauvés et nos parents ne sont pas sauvés. Reçois ta portion maintenant au nom de Jésus, afin que ta famille soit sauvée. C'est pourquoi ce soir, ma prière de tous les jours, je prie pour ma famille, parce qu'il faut que ma famille aussi croit, ou la famille soit sur le bon chemin. Si moi je crois en Dieu, je suis sauvé, j'ai reçu le salut, et ma famille n'est pas sur le bon chemin, ce n'est pas une bonne chose. Continuez de prier pour votre famille, continuez de prier pour vos enfants qui ne croient pas, vos parents qui ne croient pas, toute personne qui ne croit pas en chez vous. Mais je sais que la main de l'Éternel va les toucher. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Je voudrais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, verset 15b. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce serait bien quand tu es sauvé, ta famille est sauvée. Thank you for watching this program. May God guide you. May God bless you. See you next week. Que le Seigneur vous garde. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore, si Dieu le veut. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye.